Salut et bienvenue dans mon garage. Nouveau live du vendredi. Oui, quelques trucs avant de commencer. Je vais attendre un petit peu que voilà, que tout le monde soit là. Donc, nouveau live du vendredi. Putain, on est déjà en octobre. C'est incroyable. Il reste plus que 90 jours basiquement pour cette décennie. Donc assez incroyable. On va passer en 2020. 2020, putain, quand j'étais gosse, c'était les voitures roulantes, c'était les voitures volantes. C'est à lui. Donc quelques petits trucs avant de commencer le live, avant de commencer avec les questions. Premièrement, les pas, je vais être absent la semaine prochaine. Donc il va y avoir un petit délai dans les patchs. Je viens d'envoyer une fournée. Voilà. Comme d'habitude, si vous passez commande, bien évidemment, j'envoie les patchs. Donc, si vous ne recevez pas les patchs, c'est pas de ma faute. C'est la poste. voilà, les gens à la poste, surtout, je pense, du côté français quand même, se servent systématiquement. Donc voilà. Voilà, si vous avez commandé un patch, bien évidemment, je les envoie. Il y a plein de gens qui me contactent. Ah, est-ce que tu m'as envoyé le patch? Oui, bien évidemment. Donc voilà. Mais la semaine prochaine, je ne vais pas être présent. Je ne vais pas faire de fournée. Généralement, je fais une fournée de patch une fois par semaine. Donc, j'envoie les patchs une fois par semaine. Donc, la semaine prochaine, je vais zapper. J'ai arrêté de suivre pas mal d'entre vous, pas mal de gens sur Instagram. C'est pas personnel. C'est pas personnel parce que, en fait, j'essaye de pas dépasser les 500 parce qu'après, j'ai plus le temps. Ça me prend trop de temps pour regarder toutes les publications. Donc, vu que j'aime bien regarder les publications sur Instagram, si je suis en fait trop de gens, j'ai réalisé que je passais trop de temps sur Instagram à regarder les publications. Donc il a fallu que je dégage pas mal de monde, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas personnel. C'est pas parce que je ne vous suis pas sur Instagram ou que j'arrête de vous suivre sur Instagram que c'est personnel. À part si j'ai des fois, je suis des gens et puis après, je m'aperçois en fait que c'est beaucoup de posts famille, genre avec les gosses et tout. Et ça me met toujours un petit peu mal à l'aise de suivre ce genre de publication. J'aime pas trop être voyeur comme ça. Je préfère garder que vous gardiez votre intimité pour vous. Et donc, généralement, j'arrête de suivre dès que je vois qu'il y a des posts trop famille. J'arrête de suivre. Donc voilà, mais sinon c'est pas personnel, c'est pas parce que je ne vous suis pas ou que j'arrête de vous suivre que je vous aime pas, okay? Donc ou que j'apprécie pas ce que vous faites sur Instagram et ainsi de suite. C'est juste une question, voilà, d'essayer de minimiser au plus possible mon temps passé sur les réseaux sociaux. Pour les deux petits trucs. Donc c'est parti, si vous avez, donc oui, je tout ça pour dire que je vais à Los Angeles cette semaine, voilà, toujours intéressant de repartir un petit peu comme ça de là où on vient. Et donc j'ai préparé un petit peu mon kit. J'ai fait un kit très très simple, très minimaliste, très très léger en fait. Voilà, au cas où ça merdouille, c'est toujours pareil, on sait jamais comment ça va se passer. Si ça merdouille sur Los Angeles, il y a, j'en sais rien moi, un gros tremblement de terre, une émeute, une connerie comme ça, ça c'est déjà,
ça s'est déjà passé, c'est déjà arrivé. Je veux avoir un minimum d'outils légers et simples et bien évidemment testés sur le long terme pour pouvoir me donner. Pour pouvoir me donner une petite chance de remonter vers le Montana. Donc voilà, donc ultra léger, voilà. Rien d'exceptionnel, mais je veux avoir le petit outillage nécessaire qui va bien, quoi. Au passage, j'emmène un Carrymore Special Forces. Putain, j'adore ces sacs. J'adore ces sacs. Moi là, je suis sur un Sabre 30. C'est du costaud, ça bronche pas. C'est un de mes sacs, peut-être un petit peu plus tactique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fermeture éclair. Sur les sacs un petit peu tactiques comme ça, je suis sur des sacs qui n'ont pas de fermeture éclair, donc old school. Donc voilà, une poche centrale old school, rien peut péter dessus. Vraiment un sac assez fantastique. On parle très rarement de Carrymore. Voilà, un petit peu plus pour Carrymore. Bien évidemment, je bosse pas avec eux. Ils ont jamais entendu parler de moi. J'ai acheté mon sac. Carrymore Special Forces. Là, j'ai un 30 litres. Ils le font en plusieurs tailles. Mais donc, tout ce petit matériel, en fait, va rentrer dans ce sac-là. Et si ça merdouille, voilà, c'est avec ce sac que je dois remonter sur Los Angeles. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce petit matériel, n'hésitez pas. Mais sinon, voilà. Donc c'est parti pour les questions. Oh putain, toujours un petit peu malade, je suis en fin de maladie. Donc voilà. Ouais, Carrymore, très très bonne marque de sac à dos. Et c'est marrant parce qu'on en parle rarement. Mais vraiment une super marque de sac à dos. L'objet noir sous le briquet bleu, Casey Ryback. Encore un malin. Casey Ryback, quel est l'objet bleu? Non, quel est l'objet noir sous le briquet bleu? C'est un petit truc que je me suis fabriqué avec un bout de chambre à air et Donc c'est un petit truc que je me suis fabriqué. J'ai pas encore vu ça passer, mais c'est tout simplement un bout de chambre à air, deux trous, une drisse. Et en fait, à l'intérieur, c'est juste pour pas que ça fasse de bruit. Mais j'ai un jeu de clés universel pour bank keys. Avec ça, je peux ouvrir n'importe quel canal et n'importe quelle porte d'entrée aux États-Unis. Mais donc, en 3 secondes. Mais bon, voilà, c'est tout simple. Hop, et je peux les remettre dessus. Et comme ça, ça fait pas de bruit. Petit coup de brise. Mais donc, voilà, c'est mon petit kit. Mon petit kit d'entrée en fait. Donc je peux me taper tous les cadenas et toutes les portes d'entrée classiques aux États-Unis. Titouane, comment protèges-tu ton identité sur Internet? Ben très maladroitement. Hein. De toute façon. Comme je le dis depuis le début, j'essaye de minimiser les problèmes. Mais vu que j'ai décidé d'être sur Internet, c'est mort. C'est mort parce que à partir du moment où tu es sur Internet, tout le monde peut savoir qui tu es, ce que tu fais, et tout le bordel. Et c'est le cas. Si vous cherchez 5 minutes sur Google ou sur Internet, vous allez trouver mon vrai nom, ma ville, et ainsi de suite. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de minimiser un petit peu les connards. Parce qu'il y en a eu, hein, puis il y en a encore. Et donc de minimiser les connards, de protéger au minimum ma vie privée, au minimum. Même si, encore une fois, je suis bien conscient que je suis sur Internet. Et donc que c'est mort. Mais voilà,
C'est soit tu vas sur Internet et tu essayes de collaborer, tu essayes de montrer des trucs un petit peu, ou soit tu n'y vas jamais. C'est tout. Donc j'ai décidé de venir sur Internet et de partager un petit peu. Et donc ça vient avec le truc. Comme je l'ai dit, c'est juste vraiment, j'essaye de minimiser les connards au maximum. Ça a plutôt bien marché, ça marche plutôt bien. Et puis, il y a beaucoup de gens quand même qui savent leur place, qui connaissent leur place. Il y en a moins, il y en a qui savent moins faire un petit peu le, voilà, ah tiens, ça, je vais pas le faire chier avec ça, ou je vais pas à toi. Il y a toujours, voilà, bon, c'est comme ça, quoi. Question. Viens, on va par où commencer. Je vais zapper un peu là. Barracuda, la taille de la lame du Cold Steel Urban Edge est suffisante pour la défense. Je parle au niveau de la profondeur de perforation. Bah écoute, on peut faire des tests si tu veux. Je t'invite à la maison. Hein? Et puis, je peux te le foutre dans la gueule si tu veux. Juste pour voir, toi, si c'est suffisant pour la défense. Non, bah attends, mon pote, t'imagines te prendre ça dans la gueule. Ça n'a pas besoin d'être grand hein, pour bien couper. Hein. Franchement. Te prendre la gueule, je te lacère la gueule, là tu perds un œil, la moitié de ton nez, deux lèvres. C'est hallucinant les gars, putain vous avez pas de, vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte l'impact d'un truc qui coupe comme ça sur la gueule quoi. C'est pareil avec le 22, tout le monde pense que c'est juste pour voilà, donner un petit coup dans le bide ou je sais pas quoi, vous êtes débiles, vous êtes tarés les gars. Vous vous rendez pas compte de la violence que je peux infliger. Le 22 long rif, 8 dans l'œil, t'imagines? C'est d'autres niveaux de violence, les gars. Yanka will survive. Salut vol, combien coûte le stage? Transport et logement compris, à peu près. Ça dépend des stages, ça dépend des années. On fait des stages qui ont pour le moment été un petit peu toujours différents. On a pas mal de gens qui reviennent à chaque fois. Donc on essaye de faire des trucs un petit peu différents. Donc ça dépend. On a eu des stages à 1002 et on a eu des stages à 1008, je crois. Un truc comme ça, 1007 peut-être, je sais pas. Donc ça dépend. Hop là. J'ai failli me tirer. Enfin, je vais remonter les questions un petit peu. Salut, salut. Il y a vraiment des questions bizarres. C'est rigolo. Ulrich, salut Ulrich. Pour le départ à Los Angeles, si vous partez tous les deux, oui, on part tous les deux, ou peut-être tous les trois, tous les quatre, vous n'en savez rien. À qui confiez-vous la gérance des poules et du potager? Au fils de notre voisine russe, au fils de notre voisine. Voilà.
le fils de notre voisine va venir s'occuper des poules, il nous en reste plus que deux, hein. Comme je le disais précédemment, on a perdu deux poules. Les canards ont sévi derrière l'église, au cran d'arrêt. Donc il nous en reste plus que deux poules. Paul Trivial, salut, as-tu suivi l'actualité à Rouen? Oui, plutôt évacuation ou retranchement, merci. Bah, moi, personnellement, si j'habitais à Rouen et qu'il y avait une usine CESCO qui explosait et qui brûlait, je me casse, hein, les gars. Moi, je lui signe que les gens soient restés. Hein. De toute façon, on ne va pas vous dire ce qui a été relâché dans l'air sous 5 minutes. Donc, par précaution, je pense quand même que si c'est dans le faisable, je pense quand même que c'est intelligent de se dire, bon, attends, il y a une usine CSGO qui brûle. C'est comme si, évidemment, j'en sais rien, moi, une centrale nucléaire qui crame, tu te casses, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, hein, les gars, avec RNBC. Hein, c'est partir vite et partir loin. Hein, vite et loin. Je me souviens quand on était à l'armée, qu'on faisait les entraînements et les drills NRBC, fallait toujours courir 10 km avec le sac. Donc voilà, partir vite et partir loin. Donc vaut mieux être prévoyant. Et effectivement, moi, si j'habitais à Rouen, comme je l'ai dit, je me serais cassé. Et même si c'est pour revenir 2 heures après, c'est pas grave. Mais au moins se casser 40-50 bornes, quoi. Juste, voilà. Surtout si vous avez, par exemple, j'en sais rien, moi, des gosses. Bon, voilà, des personnes un peu fragiles et tout. Et ouais, l'AMP à la cuisse, super sympa pour courir 10 km. Quoi d'autre? J'ai zappé plein de trucs, hein, je suis désolé. Encore une fois, quand je fais ces lives, il y a énormément de questions. Et donc, en fait, ça défile hyper vite. Donc, je rate souvent. Voilà, je rate souvent les questions. Et encore une fois, c'est pas personnel. Thomas Hervé 7804, content de ton nouveau MMP 15 Sport 2. Ouais, super. Franchement, probablement niveau rapport qualité-prix, probablement le meilleur AR sur le marché aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes sur le marché pour un AR, si vous voulez acheter un AR. Que ce soit en France ou aux States, peu importe, ou en Suisse, peu importe, mais je vous conseille effectivement fortement le MMP 15 Sport 2. Inis, à quoi as-tu vu la tuerie d'hier en France? Oui. Eh oui. On est responsable de notre propre bien-être et il y a des êtres immondes. On vit. Jeff Cooper en parlait et en parlait assez souvent, mais il disait le plus dur pour nous en tant que citoyen lambda, en tant qu'être humain même, c'est de réaliser que nous vivons côte à côte avec des meurtriers et des personnes horribles. C'est très difficile pour nous en tant qu'être humain parce qu'on est bridé en fait, c'est pour ça qu'on s'entretue pas tous. Mais on est bridé et donc pour le commun des mortels, pour l'homme ordinaire, c'est très difficile de comprendre que nous vivons, je vais le répéter, que nous vivons côte à côte au quotidien
avec des personnes ignobles, des meurtriers horribles, des trucs que vous n'avez même pas idée. Je vais vous raconter une petite histoire qui est passée un petit peu inaperçue aux États-Unis, mais quand même. Il y a des années de ça, il y a des gens qui étaient dans une petite boutique normale, une épicerie. Ils faisaient leurs courses et tout, puis tu as deux mecs cagoulés qui arrivent, qui rentrent dans l'épicerie, qui attrapent tout le monde et qui mettent tout le monde dans la cave. Ils les attachent et les mettent dans la cave. Pour les gens qui douteraient qui douteraient peut-être de la raison d'être, de suivre un cours, peut-être, voilà, d'évasion, par exemple. Bref. Les civils se font capturer au quotidien. Mais donc, les mecs se font capturer et ils les attachent dans la cave. Les gens dans la cave n'ont pas résisté, ne se sont pas battus parce qu'ils se sont dit, bon, ces mecs-là, ok, peut-être qu'ils veulent du pognon, mais tu vois, ils vont pas nous tuer, ça va pas être horrible. Les deux mecs sont remontés. Ils ont pris tous les produits chimiques qu'ils pouvaient trouver et ils ont fait boire tous les produits chimiques aux mecs dans la cave. Et ils sont tous morts de morts horribles, brûlés de l'intérieur à la javel et ainsi de suite. C'est toujours étonnant pour moi que les gens soient encore ignorants par rapport à la méchanceté du monde et par rapport à la violence du monde. Okay. Donc, oui, il y a un mec qui poignarde des gens. Oui, il y a des mecs qui poignardent des gens, il y a des mecs qui violent des gamins, il y a des mecs qui butent des grands-mères. Alors, c'est sûr, ça arrive pas tous les jours. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes prêt à ça ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à ça? Est-ce que c'est une possibilité que vous avez envisagée ou est-ce que c'est une possibilité que vous n'envisagez pas? Et la réponse appartient à tout le monde. Si les gens décident de ne pas y penser, d'évoluer dans notre monde au quotidien sans prévoir ce genre d'énergumène, très bien. Et puis peut-être que voilà, la vie est un champ de mine, hein, de toute façon, peut-être que vous allez marcher au travers du champ de mine. Et mourir à 90 ans dans votre lit et il vous sera jamais rien arrivé. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien. Mais il y a certaines personnes qui sont peut-être un petit peu plus sensibles que d'autres, qui ont peut-être, j'en sais rien, moi, une nature un petit peu plus protectrice ou guerrière, peu importe, mais qui se disent, bon, voilà, s'il y a un connard qui débarque comme ça dans ma vie un jour, je veux pouvoir le flinguer, quoi. Mais donc tout ça pour dire que oui, il y a un mec voilà, qui nous a poignardé quatre flics. Donc une pensée pour nos amis policiers. Encore une fois, c'est pas un métier facile. Mais putain, voilà, c'est un petit peu mon poste d'hier. La première règle d'une bagarre à l'arme, c'est d'avoir une arme, quoi. Donc c'est tout. Bon, il s'est fait ventiler, mais il s'est pas fait ventiler assez tôt, quoi. C'est tout. C'est toujours pareil. Quoi d'autre? D'autres questions? Et ne croyez pas que je dise à tout le monde d'acheter des armes à feu et d'être armé 24 heures sur 24. Encore une fois, chacun sa place. Chacun sa place. Chacun son histoire. Il y a des. Voilà. Mais sachant aussi qu'il y a des guerriers dans la vie, quoi. Aventurier du 2607 vidéo sur le sac LS, sinon on peut avoir un tour en live. Je pense pas que je vais faire de vidéo.
Aurélien Lapeyre, bon, comme tu le sais, le port d'armes en France, il n'y a pas. On fait comment pour substituer ça? Écoute, si tu poses la question, c'est je ne peux pas t'aider. Hein. Faut sortir un petit peu les doigts et puis arrêter d'être dense. Non, je vais pas faire de vidéo par rapport au kit LA. Comme je l'ai dit, c'est un kit assez simple. Une review du revolver 22 Lawrence. Bah voilà, revolver 22 Lawrence Smith & Wesson, super. Canic TP9 SPX ou Glock? Glock. Quelle capacité ta power bank? Je crois que c'est 1000. Je vais pas dire de bêtises. Toujours Anker, parce que Anker c'est vraiment bien. Je crois que c'est 10 000. Je sais plus. Le couteau que je prends, effectivement, c'est fait par Tony. Donc en fait, c'est une Tramontina qui m'a fait en custom, qui est rasoir. Donc voilà, c'est le truc le plus grand et le plus léger que j'ai. Donc voilà. Je prends un 19, génération 5, 3 chargeurs. Oui, effectivement, je prends ça. Comme tech. Vous êtes où là? Ah voilà. Tu as Akira 70 000. Tu as pris le poing américain. Bon, c'est pas un poing américain, mais ok. En plastique dans ton sac. Dans quelles circonstances pourrait-il être utilisé par rapport à un poing américain classique? Mais c'est pareil. C'est pour le foutre sur la gueule d'un connard. C'est exactement pareil. J'aime bien ce type de poing américain pour moi. Encore une fois, c'est pas un poing américain, mais pour moi parce que j'ai des mains énormes, j'ai des doigts énormes et la plupart des poings américains en fait ne me vont pas. Ou alors, c'est très chiant pour moi à mettre. Alors que celui-là, c'est très facile pour moi. Je l'ai généralement dans la poche arrière droite. Je peux l'attraper. Et mon pote, tu te prends ça dans la gueule, sans déconner. Ça fait très très mal. C'est en plastique. Ça passe les portillons. Comme je l'ai dit, je l'ai souvent dans la poche arrière droite. Mais donc, voilà, c'est une méthode. C'est un outil en plus. C'est une stratégie en plus. C'est une solution en plus. Je vais pas. Directement, tu vois. Voilà, faut avoir un petit peu de tout. Ok. Donc voilà, comme je le disais avec le Tramon là, la Tramon, c'est en fait le couteau le plus grand et le plus léger que j'ai. Parce que je pourrais passer sur une machette un peu plus conséquente, mais trop lourd, trop lourd. Là, je voulais quelque chose de franchement d'ultra léger. Donc voilà, toi, par exemple, mon kit eau. C'est tout simple, enfin je veux dire tout est minimalisé le plus possible. Donc voilà, t'as ma radio, j'ai les piles triple A, tout marche au triple A ici, triple A, triple A, tout est pensé comme ça. Et encore une fois, tout rentre dans le carré mort. Quoi l'autre? Le retour du glaive romain. C'est vrai que ça fait un peu glaive romain, ce qu'il nous a fait. Je vous encourage, franchement, et si vous en voulez une,
parce que c'est vraiment top. Et je sais que Tony adore les faire. Mais franchement, putain, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup de demander à Tony de vous en faire une. Parce que, bon, bah, il fait du super boulot. Et puis, la tramontina comme ça, c'est une tuerie. Apicera, le 19, doit aller en soute. Je prends pas l'avion, ma biche. Parce que j'ai une tête à prendre l'avion. Stanislas Vénard, y a-t-il une raison spéciale de prendre autant de couteaux dans ton sac? Bah, c'est pas qu'il y a autant de couteaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les couteaux sont très spécifiques. La Tramon raccourcie ne peut pas faire le travail, tu vois, d'un petit couteau un peu pliant, voilà, et vice-versa. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai sur moi à la ceinture. Mais j'ai pas la Tramon à la ceinture quand je suis en ville. Pareil, quand je vais manger mon steak, je vais pas sortir la Tramon au restaurant. Je sors le Buck, qui au passage est un excellent couteau. Le push, c'est un push, c'est pour la baston. Tu vois ce que je veux dire? Fouque VG. Salut Wallwest, tu ranges tout ça comment dans ton sac? Ah oui, j'ai un. Tout ça, c'est mon kit médical. Donc, trauma kit médical. J'ai une poche Zipac. La poche Zipac prend tous les petits instruments électroniques. Il y a quelques autres trucs, par exemple la carte et ainsi de suite, ça va dans la poche du haut. Et après, je mets tout le reste, mais en fait, il ne reste pas grand-chose. Je mets tout dans une poche anti-eau, là, je sais pas quoi, qui flotte. Back to the route, 71, c'est vrai. Peux-tu parler de ton Toki? J'ai pas de Toki. Le mec hyper servable, c'est. Non, non, j'ai pas de Toki. Tu as une couverture? Oui, j'ai une couverture. Quoi d'autre? Bon, vous voulez parler que du kit là ou quoi? Vous n'avez pas d'autres questions? Non, 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 non. Arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Julien Clou, carte à plastifier ou à mettre dans un sac plastique. S'il pleut, elle est morte. Pourquoi? Si elle est dans le sac et que le sac est étanche. Tu ne prends rien pour affûter le tibia de mes ennemis. Non, je pars 7 jours. Je vais pas affûter. Tout est affûté. C'est bon. Ah, il y a un petit malin, encore un petit malin. C'est qui le petit malin encore? Paul Trival. Okay. Men in Svart, tu vas traverser 3 ou 4 états. Comment ça se passe pour la réglementation des armes à feu? Eh ben, le véhicule devient mon domicile. Et vu que le véhicule devient mon domicile, j'ai le droit d'avoir des armes à feu dans mon véhicule. Quand je reste à l'hôtel, l'hôtel devient mon domicile. Et donc j'ai le droit d'avoir des armes à feu à mon domicile et les lois locales, fédérales s'appliquent à ces endroits temporaires, à ces lieux d'habitation temporaires. Et donc par exemple dans le Montana, si je dors dans une tente, vu qu'on a le Castle Doctrine dans le Montana, si je dors dans une tente, la tente devient mon domicile et ça veut dire que si tu ouvres ma tente, je peux te flinguer. Si je dors dans ma bagnole, tu ouvres ma bagnole, je peux te flinguer. Donc voilà. Effectivement, ça devient des domiciles temporaires et voilà. En tant que citoyen américain, j'ai le droit d'avoir une arme à feu à l'intérieur de mon domicile.
comme en Corse. C'est les papillons. Paul Trivial, annonceras-tu la sortie pré-vente du Montana sur un live? Oui, bien sûr. Pourquoi je ne l'annoncerai pas? Tiens, on a sorti un couteau, on a tous les couteaux à la maison avec Bastien, mais on ne va pas l'annoncer. On va le garder pour nous, hein. Ça va être le secret, secret défense. Électron autonome, il y a le Stand Your Ground en Montana, oui. Co-prévoyant, économie américaine en ce moment, un avis? Ouais, très bien, tout va bien. L'économie américaine, écoute, tout le monde a du boulot, l'économie tourne. Franchement, ça se passe très bien, quoi. Sur le terrain, en tout cas, ça se passe très bien. Un peu sérieuse. Akira 78000, que penses-tu du taser et autres armes électriques pour la défense? Alors écoute, j'ai très peu d'expérience avec ces outils, donc je ne saurais pas te répondre. Je sais pas. Avoir les flics ici avec leur taser, taser les mecs, basiquement les retours de la police aux États-Unis, c'est 50%. Donc 50%, c'est pas terrible, hein. À savoir aussi que les mecs avec les tasers, c'est généralement les flics qui s'en servent et généralement ils sont 12. Une petite femme de 50 kilos toute seule contre 8 mecs avec un taser, je vois pas l'utilité. C'est ça le problème, c'est qu'il faut faire la différence et j'en ai déjà parlé. C'est comme le Gomcon, il y a énormément d'outils qui ont du sens quand vous êtes en groupe et à plusieurs. Et c'est pour ça que ces outils sont utilisés par la police. Okay, parce que les flics sont en groupe. Il y a un effet de groupe, il y a la loi derrière eux, il y a le badge, il y a 12 copains derrière. Donc si le taser c'est 50% et que bon voilà, tu tases un mec qui fait 120 kilos et 1m95 et que le taser marche pas, bah t'es pas toute seule comme une conne ou comme un con devant lui. C'est toujours pareil. Donc il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins bien. Et il y a des trucs qui sont vraiment spécifiques à certains environnements, comme par exemple la police ou l'armée, ou alors des groupes, ou alors voilà, vous êtes en groupe, tu sors dans le métro, tu descends dans le métro avec tes 20 potes, bon bah ouais, le taser c'est sympa quoi, parce que t'as 19 potes derrière quoi. Mais quand t'es tout seul, faut faire attention. J'étais au puce de Clichy, non, j'étais pas au puce de Clichy, j'étais au puce de. C'est quoi les puces du nord de Paris? C'est quoi la porte au nord de Paris? Clignancourt, les puces de Clignancourt. Bref, j'étais aux puces, c'était dans les années 80. Il y avait un mec, un père de famille, qui marchait, donc il était avec sa gamine avait 8 ans, je crois, un truc comme ça. Et il y a un grand black qui arrive et qui lui met une grande boîte. Et donc le mec, tu vois, il sait pas quoi faire, quoi. Porte de Clignancourt, merci. Et donc le mec se dit, il lâche sa gamine. Alors déjà, partir au charbon avec une gamine de 8 ans, bref, c'était douteux. Il lâche la gamine et il lui donne un grand coup de pompe dans les couilles. Sauf que le grand black venait de la rue et que monsieur tout le monde, monsieur ordinaire ne vient pas de la rue et qui s'est dit, bon, un coup de pied dans les couilles. Tu peux faire 1m95, 150 kilos, ça va passer. Sauf que le mec portait une coquille. Et l'autre, il lui a mis un grand coup de pompe dans les couilles. Le grand black n'a pas bronché, il l'a regardé et il lui a mis une grosse droite.
Et l'autre, il était KO par terre. Sa petite fille était devant, toute seule, en train de crier et de pleurer. Donc voilà. Donc c'est toujours pareil. Il faut faire très attention. Il y a l'univers de la police, il y a l'univers militaire, il y a l'univers de la rue. Et l'univers de la rue, on marche pas sur les mêmes. C'est pas les mêmes dynamiques, les gars. Donc faut faire attention avec tout ça. Tout ça pour dire que. Les tasers et tout le bordel, personnellement, vu que je suis tout seul et que j'ai pas 20 potes avec moi, non merci. Maintenant, peut-être que dans une situation très précise, à un moment très précis, ça peut marcher, faire la différence et sauver la vie de quelqu'un. Je dis pas que c'est de la merde, je dis juste qu'il faut un petit peu réfléchir au truc. Voilà. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a plein de mecs dans la rue, les gars, qui se baladent avec des coquilles. Hein. Et des protège-tibias aussi. C'est soit on est de la rue, soit on n'est pas de la rue. Hein. Donc ça, voilà, les gens qui sont de la rue le savent. Les gens qui sont pas de la rue le savent pas. Ils prennent deux cours avec Bernard dans le 15e de self-défense, que Bernard apprend à toutes les gonzesses de France et de Navarre à mettre des coups de pied aux couilles. Et puis un jour, la gonzesse se fait agresser, déjà pas par un mec, mais par cinq. Elle essaye de mettre un coup de pied aux couilles d'un mec, et puis le mec, il a une coquille. Et il a des protège-tibias, et il te met un gros low kick de l'enfer de la mort avec des protège-tibias. Donc c'est toujours pareil, il faut faire très attention de quoi on parle et comment on en parle. Malheureusement, il y a très peu d'éducation par rapport à tout ça. Voilà, la CDS, Tony Lopez, voilà, tout ça, c'est des mecs qui savent de quoi ils parlent. Ce serait peut-être plus à ces mecs-là de demander l'utilité d'un taser. Encore une fois, pour moi, sans 20 copains derrière, sans les 20 copains derrière, c'est pas pour moi. Mais donc voilà. Voilà, le push au travers de la gueule, tu ne portes pas une coquille sur le nez, quoi. Donc voilà, VRM. Bref, c'est une discussion. Hein, voilà. Quoi d'autre? Putain, les gars, il y a des questions, ça fait 3 pages. Hein. Bonjour, que se passerait-il si vous ne récoltiez pas le miel dans les hausses? Bah, si on récolte pas le miel dans les hausses, les abeilles font des réserves de miel pour passer l'hiver. Donc elles font des réserves de miel. Donc dans la nature, si l'homme n'intervient pas, elles construisent des réserves de miel pour pouvoir passer l'hiver, pour s'en nourrir pendant l'hiver. Nous, on est arrivés, et puis bien évidemment, on leur vole leurs réserves de miel. Donc voilà. Certains apiculteurs leur laissent par exemple une hausse de miel, généralement 90 kilos, pour passer l'hiver. C'est ce que nous on fait dans le Montana. D'autres personnes enlèvent tout le miel et leur donnent par exemple des candy boards. D'autres personnes, je connais un apiculteur vraiment bio, mais genre hippie, dreadlocks, permaculture et tout le bordel, Bouddha, tu vois, la totale. Et lui laisse toutes les hausses tout le temps. Et les abeilles s'en portent très bien. Voilà, il n'y a pas. Encore une fois, l'apiculture est un terrain très très complexe et très subtil. Il n'y a pas. Il n'y a pas de réponse hyper précise dans l'apiculture. Il y a ce qui marche et ce qui marche pas dans ton environnement, pour tes abeilles, avec ton climat et ainsi de suite. Généralement, si tu veux, là, si je n'avais pas pris, au final, j'avais 3 hausses sur mes ruches. J'en ai laissé une. À chaque fois, les gens me disent, pourquoi tu laisses tes hausses? Déjà, j'en laisse qu'une seule. Il y a une hausse sur ma ruche. Ce n'est pas une hausse. C'est un truc spécifique pour qu'elle passe l'hiver. C'est un truc pour réguler la température et surtout l'humidité. Et nous, on en a vraiment beaucoup besoin par rapport à ça. 90 pounds. Ne prêtez pas attention à mes kilos parce que généralement, je parle en pounds et je dis kilos. Donc voilà. Quoi d'autre? Subtil les abeilles, c'est subtil.
Il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de réponse. Voilà. Merci, merci Thibault Loisy. C'est pas facile d'expliquer la nature aux citadins. Mais tu sais, c'est pas facile d'expliquer la nature tout court, même le plus souvent, en fait, aux ruraux. Parce que, y a beaucoup de gens, maintenant que je vis en milieu rural, il y a beaucoup de gens qui vivent en milieu rural et en fait, ils connaissent que dalle, à rien. C'est incroyable. Ou alors, c'est des trucs de 1950, des trucs de. Oh, t'hallucines, quoi. L'évolution, difficile. Mais c'est toujours pareil. Faut être zen, et puis c'est voilà, faut faire de l'éducation tout le temps. Quoi d'autre? Allez commander pour Noël une Tramontina custom à Tony. J'adore la mienne. Opus Knives, est-ce que vous vous entraînez avec Madame West sur des scénarios type coupure de courant pendant 3 jours pour tester vos systèmes? Franchement, non, pas besoin. 3 jours sans courant, ça va faire du slip. Hein. Nous, c'est. Il y a. Enfin, je veux dire, tu vois. Non, nous, on s'entraîne pour des trucs un peu plus péchus que 3 jours sans électricité. 3 jours sans électricité, pour nous, si tu veux, c'est les vacances, quoi. Ça veut dire que, oh, tiens, on n'a pas besoin d'aller bosser. C'est cool. Moi, je passe 3 jours avec mes poules dans le jardin. Voilà, jouer de la flûte. Quoi d'autre? Le dormeur réveillé, en parlant de ça, c'est bientôt la liste du Père Noël. Oui, c'est bientôt la liste Noël, effectivement. Mais voilà, là, c'est juste en avant, en précommande. Parce que Tony. Parce qu'après, Tony, pour Noël, les gars, vous allez jamais l'avoir. Je l'ai passé au workshop là. Oh putain, mon pote, comment c'est rasoir! Alors, tu te prends un coup de ça dans la gueule. Bon courage. Donc voilà, ça va laisser, on va laisser des morceaux par terre. Hein. Mais c'est bien. Ce que j'aime bien aussi avec ces tramons là, comme ça, bon, déjà l'acier est très bien, mais en plus, j'ai quelque chose avec lequel je peux venir ventiler. bon, ça c'est toujours un avantage. J'aime bien quand on peut ventiler avec les couteaux. C'est quand même plus sympatoche. Donc voilà. Et ça vient avec cet étui-là que j'ai passé à la bombe parce que moi je suis dans un esprit rhodésien en ce moment. Rhodésie, ça vous dit quelque chose? Les bouchoirs, mon pote, les derniers mecs en 308 et en short qui partaient dans la savane africaine avec leurs machettes et tout le bordel. Mais donc je suis en mode bouchoir, Rhodésie à fond la caisse, short et 308, short 308 machette. Hein. Là on était quand même sur une catégorie d'hommes, un petit peu au-dessus de la moyenne quand même. Hein. On est loin du tong que de cheval. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, super pour ventiler, super pour couper. Putain là, t'aères tout. Hein. C'est le nettoyage de printemps avec ça. Mais donc voilà, ce qui est super intéressant avec les tramons modifiés comme ça que fait Tony quand même, et sans déconner, hein, je fais pas de la pub gratos, hein, mais c'est que c'est hyper léger. Hyper léger, et donc... Putain, c'est génial, je l'emmène en forêt assez souvent. Et donc voilà. Commandez-lui une machette. Voilà, la machette Rhodésie, on va l'appeler la machette Rhodésie. Quoi d'autre? Rhodésie, on n'en parle pas. Bah oui, Akira 70, mais tu crois que t'es 308 dans le Montana, mais bien sûr.
On n'en parle pas beaucoup de Bushwar, la guerre de Rhodésie. C'était hyper intéressant ça. Probablement la meilleure, les meilleurs tacticiens modernes, les light infantry, l'infanterie légère de Rhodésie, les mecs qui nous ont fait un truc, c'était absolument remarquable. 1 contre 200, des tueurs, les mecs, voilà, la Rhodésienne, on va l'appeler. Tony, faut que tu l'appelles la Rhodésienne. Hein? Short 308 Rhodésienne. Faut que ce soit un nouveau look. Hein. Moi, je vais vous sortir ça. Hein. Je vais faire ça. Short Rhodésie. Je suis pas très short quand même. Hein. Mais putain, ils avaient des couilles tellement énormes, si tu veux, que dans le bush, comme ça, en Afrique, fallait qu'ils mettent des shorts, les mecs, parce que fallait que ça aère, quoi. C'était horrible. Quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Parce qu'on rigole là et tout, mais c'est l'heure, hein, les gars. Ça va être l'heure. Dernière question, dernière petite question. Dernière petite question sur la Rhodésie. Ah, c'est toute une culture, les gars. Faut avoir toute une culture, hein, de la guerre. La Rhodésie, c'est le Vietnam de l'Afrique, les gars. Thomas, alors attends, Thomas Hervé, viens, viens là, viens là. À ton avis, quelle activité est la plus pertinente pour créer du lien social et un réseau, stand de tir ou chasse? Ça dépend qui tu veux dans ton réseau. Mais bon, à la base, moi, je suis très les deux, mon capitaine. Donc déjà les deux à la base. Et après, ça dépend qui tu veux dans ton réseau. Les chasseurs, en fait, moi je suis plus chasseur que tireur en stand. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, les mecs tireurs en stand, il y a beaucoup quand même de guerriers du dimanche qui sont en surpoids et qu'ont des CZ. Et voilà, c'est la merde et c'est le bordel. Hein. Les petits gros à lunettes qui vont au stand de tir lâchent l'affaire. Alors que, bon, les chasseurs, il y a des petits gros à lunettes aussi. Hein. Mais les mecs, déjà, ils sont dans le déplacement, ils savent se déplacer avec un flingue. Alors qu'au stand, on t'apprend à être 180 degrés. On vit jamais dans un monde à 360 degrés au stand. Alors que les chasseurs, déjà, savent faire ça, ils savent se déplacer avec une arme. Ils savent chasser, ils connaissent la faune, ils connaissent la flore, ils connaissent le terrain. Et généralement, ils savent faire à manger aussi. Donc c'est tout bénef. La révolution américaine a été gagnée par 3% de chasseurs. Okay? C'était pas les 80% de mecs qui allaient au stand de tir avec leur truc à poudre noire, tu vois, faire des bullseyes à 25 mètres, quoi. Non, non. Les mecs qui gagnent les guerres, c'est les chasseurs qui sont sur le terrain, qui crapahutent, qui savent marcher avec une arme à feu, qui savent se déplacer avec une arme à feu. Et qui connaissent le terrain, qui connaissent la flore, qui connaissent la faune. Donc voilà, moi je suis plus, si tu veux, je suis plus chasseur. Maintenant, bon, il y a des mecs qui sont très bien au stand de tir. Hein. Je vais au stand de tir, mais quand même, il y a beaucoup de fuddy-duddy, hein, au stand de tir. Hein. En tout cas, nous, aux States, putain, il y a des mecs, ah, ils ont tous des super AR, des machins, des conneries. Mais alors déjà, je crois pas qu'ils peuvent marcher plus de 50 mètres. Et puis c'est souvent quand même des mecs qui y croient tout savoir. Donc, là, les stands de tir, c'est un petit peu délicat. Je sais pas comment c'est en France, mais je suis sûr que c'est pareil en ce front. T'as les mecs qui arrivent, 60, 65 ans, des boomers, tu sais, avec leurs petites fusils de merde, qui se pointent au stand. Ils sont tous en surpoids, puis ils disent, ouais, oh, mais toi, ton Glock, c'est débile, c'est de la merde, c'est un flingue en plastique. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es violent. C'est très délicat, hein, les stands de tir. Alors que les chasseurs, t'as pas ça. Hein. Les chasseurs, c'est bière, chasse, marcher, tuer. Voilà. Donc, moi, c'est plus mon trip, quoi. Donc, voilà. C'est pareil, Winston Wolfe, c'est pareil dans les dojos et les gyms. Exactement. On en revient à Bernard du 15e. Les stands de tir sont pleins de Bernard du 15e, mais version arme à feu, quoi. Donc, version arme létale avec le M9. Oui, alors ça c'est mon M9. Donc voilà.
Bref, merci pour. Je vais m'arrêter là parce que j'ai assez dit de conneries. Merci pour le live. La semaine prochaine, j'essaierai de faire un live à Los Angeles. On part demain. Je vous tiendrai. Voilà, je vais faire des petits trucs sur la route. Parce que c'est toujours sympa. Voilà, je vais vous faire peut-être découvrir un petit peu la route américaine. Je serai à Salt Lake City demain soir. Donc dans l'Utah, chez les Mormons. Ah, je vais vous faire voir les Mormons. Et donc voilà, prenez soin de vous, soyez résilients, stay safe et à tout de suite, ciao.